Bonjour tout le monde. Hello, hello. Bonjour Martine. Bonsoir Martine, Véronique, Rachel, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. Ça y est, c'est enfin, enfin les portes ouvertes. Je suis super contente d'être là avec vous ce soir, de vous retrouver et partager plein de belles choses avec vous. Bonsoir Anne-Lise. Coucou Cécilia, coucou Vanessa, hello hello tout le monde. J'espère que vous êtes bien installés tranquillement ce soir. Bonne année Catherine, merci beaucoup. Posez-vous tranquillement et profitez. J'espère quand même que vous avez avec vous donc un papier, un crayon. Coucou Carole, pour pouvoir répondre à la chasse au trésor, et du coup on est ensemble pour une petite heure et demie tranquillement. Coucou Karine. Ça oui, moi aussi ça me fait trop plaisir de vous retrouver en live. Bienvenue tout le monde. Alors nous n'allons pas trop traîner puisque j'ai quand même pas mal de choses à vous dire et surtout à vous montrer, donc nous n'allons pas tarder à commencer. Tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à tout le monde. Si vous êtes nouveau et nouvelle, eh bien je me présente. Je suis Harmonie Marais, démonstratrice Stampin' Up dans l'Indre. Et aujourd'hui est un live exceptionnel. D'habitude, je fais des lives créatifs le lundi matin à 10h30. Mais aujourd'hui, eh bien, pour les portes ouvertes virtuelles, on se retrouve le soir. Normalement, à cette heure-là, les loulous sont couchés tranquillement, donc vous pouvez profiter de votre soirée, mettre le blues de la rentrée de côté et profiter. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas ce soir. Ces portes ouvertes, pourquoi? Eh bien pour celles et ceux qui ne le savent pas, dans 3 jours maintenant, eh bien sortira le mini catalogue janvier-avril. Oui, il est réduit à 4 mois. Ainsi que la Celebration. Donc ce sont 2 mois de promotion, janvier et février. Attention, cette année, il n'y aura qu'une seule Celebration. Il n'y en aura pas cet été. Donc, surtout, profitez-en. Vraiment. Vous allez découvrir plein de choses ce soir. Je vais vous donner plein d'infos. Et vous allez voir que ça vaut vraiment le coup, de profiter de cette Celebration. Bienvenue, Nadine! Donc, la sortie de ce catalogue, eh bien, elle se fera jeudi, le 5 janvier. Donc, la Celebration et les commandes pour le mini-catalogue démarrent ce jeudi. Donc, vous pourrez, dès jeudi matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, commencer à passer vos commandes. Vous avez en bas de l'écran le code de test du mois de janvier, n'oubliez pas de l'utiliser. Si vos commandes sont inférieures à 200 €, ça me permettra de vous envoyer un petit cadeau en février 2023, du coup. Et du coup, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Vous allez voir, il y a vraiment des petites pépites dans ce mini catalogue. Vous allez voir que je vais vous présenter pas mal de créations ce soir. Mais pas tout ce qu'il est possible de faire. D'autres suivront dans les semaines à venir, d'autres créations. D'abord, je n'ai pas tout commandé dans le catalogue, hein. D'accord? Soyons sérieux. Et puis, il y a tellement de choses que j'ai envie de réaliser avec que le temps n'est pas suffisant. Voilà. Donc, vous allez voir que au fil des semaines, vous aurez encore beaucoup, beaucoup d'autres inspirations qui, j'espère, vous guideront. Coucou ma Steph, ça va ma vie. Alors, la Celebration, je vous l'ai dit, elle va vous permettre pendant 2 mois de bénéficier de cadeaux gratuits dès 60 € d'achat. Donc ça déjà, c'est déjà super sympa. Vous allez voir qu'il y a des sets de tampons et du papier qui sont absolument magnifiques. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante. Mais il y a aussi une autre chose très très importante et celle-ci n'est pas des moindres. Elle se trouve à la page 18, si je ne m'abuse, de votre brochure Celebration. Donc je ne peux pas ouvrir
la brochure et le catalogue devant vous, je n'y suis pas autorisée. Mais si vous êtes ma cliente, par exemple, vous l'avez déjà entre les mains. Bonsoir Christine, meilleurs vœux également. Mais vous allez les trouver donc dans cette brochure à la page 18. Et vous allez voir que si vous avez la bonne idée de rejoindre mon équipe pendant la Celebration. D'ailleurs, petite info, je fête mes 3 ans demain. Voilà, j'ai rejoint l'équipe moi aussi pendant la SAB 2020. Et voilà, et ça fera 3 ans demain. Et franchement, les options proposées étaient sympas, mais pas aussi sympas que celles de cette année. Vous allez avoir le choix entre 3 options si vous rejoignez l'équipe. Alors, la première option, c'est la machine de découpe. Donc pour l'instant, vous allez apercevoir une machine de la couleur bleu bohème qui n'est pas encore disponible sur notre marché. Mais c'est ni plus ni moins que la mini machine. Donc mini machine bleu bohème plus 230 euros de produits à choisir parmi les 2 catalogues en vigueur. Merci Cécilia. Et tout ça pour 160 euros. Donc, c'est plutôt pas mal. L'option 2, c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous dire, mais en fait, ça sera la machine blanche, la mini machine, mais en blanc. Plein de gros bisous Laurence, c'est gentil d'être passé. Bon courage et repose-toi. Coucou Pascal, bonne année. L'option 2, donc c'est la machine blanche. Coucou Ticia. Coucou Christelle. La mini machine blanche plus 230 euros de produits et le tout pour 160 euros. C'est juste un truc de dingue. Bonsoir Céline, merci, meilleurs vœux à vous également. Coucou ma Lolo, gros bisous. Et l'option 3, je crois que c'est une de mes préférées sur les 3 options. Vous avez droit à 230 euros de produits parmi les catalogues en vigueur et vous n'en payez que 100 euros. 29. C'est un truc de dingue. Voilà, donc dès le 5 janvier, vous pouvez profiter de ces 3 options. Si vous voulez plus d'infos, reportez-vous à votre brochure Celebration à la page 18. Vous retrouverez les 3 options, mais vous les retrouverez aussi dans les jours qui viennent sur tous mes réseaux, sans problème. Et puis sinon, vous me passez un petit coup de fil et on en discute ensemble. Autre petite info pour celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez qu'à l'occasion des portes ouvertes virtuelles, je propose toujours une chasse au trésor. Eh bien, on continue, il y en a une nouvelle ce soir, donc vous aurez à répondre à 10 questions. Attention, vous ne répondez pas aux questions dans les commentaires, s'il vous plaît. Vous notez vos réponses ou les questions plutôt de votre côté, d'accord? Et vous m'envoyez ensuite toutes vos réponses par mail sur harmoniescrap@harmoniescrap.fr, d'accord? Et je ferai un tirage au sort parmi les bonnes réponses et je vous permets de gagner pour cette fois un pistolet chauffant pour l'embossage à chaud. Ça, c'est un outil indispensable pour les scrapeuses aguerries et même pour les débutantes d'ailleurs. Donc vous entendrez la fameuse petite alarme que je vais encore oublier d'enlever à la fin du live. Pardon. Donc toutes les 20 minutes à peu près, je vous poserai 2 questions. D'accord? Vous notez les questions et vous m'envoyez vos réponses par mail à harmoniescrap@harmoniescrap.fr et vous avez jusque milieu de semaine prochaine pour m'envoyer vos réponses et ensuite je procéderai donc au tirage au sort parmi toutes ces bonnes réponses. Oui, la promo SAB pour devenir démo, elle est incroyable cette fois-ci encore. Vraiment, ces 3 options, c'est vraiment super. Et là, 230 euros de produit pour 129 euros, franchement, ça serait dommage de s'en priver. Voilà, je pense que vous avez un maximum d'infos. Maintenant, on va pouvoir passer aux créations. Si vous avez des personnes autour de vous susceptibles d'être intéressées par ces portes ouvertes, je vous invite à partager ce live sur vos murs, etc. Voilà, on ne sait jamais. Plus on est nombreux, plus on est de fous, plus on rit. On y va? C'est parti? Alors, je vais changer de caméra.
Hop, j'ai toujours une souris rebelle. C'est parti. Voilà les objets du délit à venir. Est-ce que vous êtes prêts, tous et toutes, à découvrir quelques produits et quelques créations de ce mini-catalogue et de cette brochure Celebration? On y va? C'est parti. Alors, on va commencer une petite présentation tranquille. Et n'oubliez pas, dès que vous entendrez mon alarme, je vous donnerai les deux questions pour la chasse au trésor. Et du coup, sachez qu'il y en aura 10. Ça marche? J'ai retrouvé ma voix, oui, vite fait. On y va? Partagez la vidéo pour qu'on soit encore plus nombreuses et nombreux à vivre ce petit moment tranquille, à mettre le blues de la rentrée de côté, et on y va. Alors, si vous voyez le bazar autour de moi, je ne sais même pas par quoi je vais commencer à vous présenter. Alors, on va commencer par un produit Celebration. Coucou Thérèse, ça me fait plaisir de te trouver là ce soir, bienvenue. Bonsoir Jocelyne, bienvenue et meilleurs voeux également. Alors, je vais vous présenter tout d'abord un set de tampons qui est donc dans la Celebration, donc que vous pourrez obtenir dès 60 euros d'achat. Coucou ma petite Marotine, gros bisous. Dès 60 euros d'achat. Je vous présente In the Country. Ce set de tampons sera idéal pour celles et ceux qui notamment auront suivi par exemple le mois de la colorisation que j'ai fait au mois d'octobre. Et ça sera idéal pour l'utiliser, que ce soit par exemple l'aquarelle ou les crayons aquarelle avec le crayon estompe, c'est vraiment l'idéal. Donc je vous le montre d'un peu plus près. Donc celui-là, il est gratuit dès 60 euros d'achat. Des paysages très jolis. On a envie de monter sur ces marches et d'aller voir ce qui se passe derrière la porte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me donne envie d'aller faire ma curieuse et d'aller voir ce qu'il y a derrière. Deux petites créations à vous montrer. Oui, j'ai fait coucou à Laurence tout à l'heure. Gros bisous, ma belle. Oui, Ticia, je suis d'accord, pas de scrap sans bazar. Coucou ma petite Cyrielle, gros bisous. Donc, deux petites créations réalisées. Alors, je suis totalement sortie de ma zone de confort, il faut quand même que je sois honnête avec vous, ça va en faire rire une ou deux, là, je crois. Ce n'est pas tout à fait le genre de set que j'utilise et avec lequel je suis parfaitement à l'aise, mais je me suis bien amusée à réaliser ces deux petites cartes que je vais vous présenter tout de suite. Coucou ma petite Véronique. Voici la première. Donc avec du papier très vanille en base de carte et la colorisation donc avec les pinceaux aquarelles. Et mes pattes d'encre. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Tout simple, vraiment tout simple, mais voilà, le tampon se suffit à lui-même. Est-ce que ça vous plaît? Et à l'intérieur, j'ai utilisé une jolie fleur que je vais vous montrer tout à l'heure dans un autre set de tampons de la Celebration. Tout ça. Bonsoir Marie-Dominique, bienvenue, meilleurs voeux également. Voilà, c'est tout simple, mais vraiment très joli, je trouve. Et la deuxième, j'ai utilisé donc le second, évidemment, et cette fois, j'ai travaillé avec les crayons aquarelles et le crayon estompe. Donc, c'est un petit peu plus marqué. Coucou Marie! Bienvenue, meilleurs voeux également. Donc là, c'est donc, comme je vous disais, un petit peu plus marqué. J'ai carrément embossé la base de carte avec l'effet bois. Voilà. Merci ma Cyrielle, c'est gentil. Et puis du coup, les découpes, coucou Martine, les découpes avec les poinçons rectangles, tout simplement avec du béguin bleu pour rappeler ce que j'avais utilisé ici. Et du coup, voilà, un petit mot aussi à l'intérieur.
Coucou Marie-France, gros bisous. On a envie de partir en balade, oui. Comme tout à l'heure, on a envie de rentrer dans d'ouvrir cette porte, et bien là, on a envie d'aller se promener sur le chemin. C'est vraiment très sympa. Voilà, et tout simplement à l'intérieur. Donc voyons, on peut faire vraiment quelque chose de très simple et très sympa avec ce set de tampons. Donc gratuit dès 60 euros d'achat. Voilà, je vous avais dit, hein, je suis complètement... Hey, coucou Alex, ça va ma belle? Je suis complètement sortie de ma zone de confort. Voilà. Mais bon, ça va, c'est pas trop la cata. Vite, vite le printemps, oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Alors, j'ai un sacré décalage avec les commentaires, c'est un petit peu frustrant, mais je vous fais plein de gros bisous. J'ai cru voir Jocelyne ou Viviane tout à l'heure. Bienvenue et meilleurs voeux. Voilà. Alors, est-ce que ça vous plaît? Je ne sais pas si vous l'aviez repéré déjà dans la brochure, celui-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au début, moi, j'avais un petit peu de mal. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler avec, je me suis dit, ouais, en fait, on peut faire quelque chose de très sympa. Alors voilà, dites-moi si vous l'aviez repéré. Et si, du coup, il vous attire un petit peu plus maintenant que vous l'avez vu travailler. Alors, c'est cool de te voir là, Alex. Bien, on va continuer parce que du coup, on n'est pas au bout de nos découvertes. D'accord? Alors, on continue. Je vais vous présenter un autre set de tampons. Je vais finir par manquer de place, hein, mais bon, c'est pas grave, on va mettre ça là pour l'instant. Véronique, ça te plaît? Bon, super. Un autre set de tampons qui, lui aussi, est gratuit pendant la sape des 60 euros. Au premier regard, je n'avais pas craqué dessus, mais avec tes modèles, ça donne envie. Ah, merci beaucoup, ma petite Vanessa. Ah, Jocelyne l'avait repéré aussi dans la brochure. Voilà un autre set de tampons assez original qui va très bien se marier, notamment pour les fêtes de Pâques, par exemple, ou pour nos amis adeptes du jardinage. Set de tampons cadeau du jardin, gratuit dès 60 euros d'achat. Et on a des belles carottes qu'on va pouvoir tamponner. En fait, celui-là est en double effet. Je vais vous montrer un petit peu mieux sur la création. Avec des sentiments vraiment très sympas, tu es à croquer, des merci. Voilà, vraiment. Oui, Christine, je comprends tout à fait que ce set de tampons vous laisse perplexe. Je ne vous cache pas qu'au départ, moi aussi. Mais finalement, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Vous allez me dire ce que vous en pensez tout de suite. Alors, je vous laisse ça ici, comme ça vous pourrez noter au cas où. Alors, voici la première que j'ai réalisée. Un bouquet de merci. Donc vous voyez, on voit bien ici, je vais mettre un peu plus près, nous avons le tamponnage en deux générations. En fait, ce sont deux tampons différents où on a d'abord le contour de la carotte et ensuite les ombres à mettre sur les côtés. On a des jolies feuilles ici. Voilà, tout simplement un bouquet de merci. Voilà. Et les petites carottes ici avec les merci. Pareil, je les ai tamponnées le merci en deux fois, le plus foncé et le plus clair. Hop, ça c'est la première alarme pour la chasse au trésor. Voilà. Et les petites carottes ici. Donc ça, c'est le premier modèle que je vous propose. Avant de vous présenter le deuxième, je vous propose de prendre votre crayon et votre papier et je vais vous donner les deux premières questions de la chasse au trésor. Alors, c'est parti. Pour le sentiment, Cyrielle, tu veux dire? Bah, en fait, ça m'a pris comme ça. En le faisant, je me suis dit, ah oh, tiens, je vais en mettre en dessous. Mais alors vraiment. Et du coup, oui, on a l'impression qu'il y a une ombre et tout. C'est tout bête, voilà, mais c'est sympa, je trouve. On voit bien le double tampon. Ben voilà. Alors, on y va, c'est parti. Je vous pose les deux premières questions pour cette fameuse chasse au trésor. Ouais, ça fait du relief, c'est assez sympa, je suis d'accord. Première question, attention.
J'ai un peu corsé les questions pour cette version de chasse au trésor. Merci le Stamparatus. Eh ben non, même pas. Là, c'est fait avec un bloc acrylique. Première question. Nous sommes au nombre de 48 et vous pouvez nous obtenir grâce à des commandes groupées en atelier ou avec vos commandes de 375 euros et plus. Qui sommes-nous? Je recommence, parce que là, la question, elle est longue. Nous sommes au nombre de 48 et vous pouvez nous obtenir grâce à des commandes groupées. On ne donne pas les réponses sur le live, s'il vous plaît. Je rappelle. Je rappelle. Je pose les questions, vous notez vos questions et vous m'envoyez vos réponses par mail harmoniescrap@harmoniescrap.fr. J'aurais dû le re-rappeler avant. Les échantillons de papier, Viviane, en plus, c'est pas tout à fait précis comme réponse. Donc, notez bien les questions de votre côté et vous m'enverrez toutes vos réponses par mail. Cyriel, moi je sais, chippie va. Quelle chippie celle-ci! Nous sommes au nombre de 48 et vous pouvez nous obtenir grâce à des commandes groupées en atelier ou avec vos commandes de 375 euros et plus. Qui sommes-nous? Non, non, t'inquiète, Cyrielle, c'est pas toi. Cécilia l'a trouvé. Marco Polo, bonsoir. Je suis ravie que vous soyez là aussi. Bienvenue à vous. Ok, donc ça, c'était la première question. Marco Polo, je rappelle que je propose une chasse au trésor ce soir, que je pose les questions par deux et que vous devez nous m'envoyer les réponses par mail à harmoniescrap@harmoniescrap.fr. Vous avez jusqu'à milieu de semaine prochaine pour m'envoyer vos réponses et je ferai un tirage au sort parmi les bonnes réponses pour remporter un pistolet chauffant à embosser. Deuxième question. On peut m'obtenir des 60 euros de commande. Je contiens 11 sentiments. Qui suis-je? Coucou ma Cathy. Bonne année ma biche. Je répète la deuxième question. On peut m'obtenir des 60 euros de commande. Je contiens 11 sentiments. Qui suis-je? Alors, est-ce que tout le monde a trouvé? Celle-là, elle est plus facile. Hein. C'est bon pour tout le monde? Alors, on continue. Cyrielle, elle a trouvé aussi. Bien. Bonsoir, Francine. Belle année à vous aussi. Plein de bonnes choses. Alors, c'est parti. On continue. Je vous présente la deuxième création avec ce set de tampons cadeau du jardin. Cette carte-là, je l'ai combinée avec un autre lot, vous allez voir, qui lui est dans le mini-catalogue. C'était obligé, j'avais pas le choix que de combiner ces deux-là, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voilà la deuxième création. Toute simple. J'ai fait... Oui, c'est ça, Francine. Exactement. J'ai fait le papier moi-même avec tout simplement... les 7 de tampons, voilà, donc j'ai tamponné un petit peu mes carottes un petit peu partout, voilà, j'ai fait comme tout à l'heure avec le merci, double tamponnage pour le feuillage ici à chaque fois, et tout simplement j'ai rajouté ce magnifique petit lapinou, bonsoir Nadine, le petit lapinou, forcément je ne pouvais pas faire autrement, on est d'accord. Donc, un bouquet de merci. Du coup, il me restait un petit bout de papier ici que j'ai tout simplement collé à l'intérieur et j'ai rajouté un sentiment qui fait partie lui aussi du set de tampons. Tout bête. Voilà. Ça vous plaît? Et du coup, bah, je vais vous montrer le lot du petit lapin tout de suite. Donc ça, c'est un lot qui est dans le mini catalogue, le lot lapin de Pâques. Donc vous avez le set de tampons, d'accord, avec tous ces beaux tamponnages ici. Et vous avez le petit lapinou ici,
avec la perforatrice. Les autres, il faudra les couper au ciseau, mais sincèrement, les contours sont pleins. Voilà, c'est très très facile à détourer. Moi qui n'aime pas trop ça, je vous assure que c'est tout à fait faisable. Merci beaucoup Christelle, bienvenue. Voilà les belles petites choses que vous avez donc dans ce lot lapin de Pâques. Donc si vous achetez le set de tampons et la perfo ensemble, vous avez un lot à moins 10%. Et donc il est à 41,25 au lieu de 46. Voilà, vous comprenez maintenant, hein, je ne pouvais pas faire autrement que de mixer tout ça ensemble, c'était obligé. On est d'accord? Bon. Voilà, donc ça, c'est donc... Ah, il vous plaît bien? Bah super. Et le petit lapin de Pâques, donc ça, c'est le lot avec... Non, pas la souris, mais la perforatrice. Ici. Vous aimez bien? Bon. Alors, on continue? J'espère que vous passez un bon moment. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue, bonne année. On se retrouve ce soir pour les portes ouvertes virtuelles pour découvrir ensemble des produits du mini catalogue et de la Celebration qui seront disponibles dès jeudi 5 janvier. Alors, je mets ça de côté, toc toc, et nous allons poursuivre tout de suite. J'espère vous aider ce soir, vous donner de l'inspiration et voilà, que ça va vous ouvrir des perspectives. Alors, nous continuons. Ah, bah oui, forcément. Je ne pouvais pas passer à côté de ces petites choses-là. Encore un produit gratuit de la Celebration. Gratuit dès 60 euros d'achat, hors frais de port, attention. Et je suis sûre que vous les avez déjà vus sur les réseaux. Mais moi, j'ai voulu attendre. Voilà. Moi, je préfère toujours attendre. Nos adorables petites chouettes qui sont vraiment trop mignonnes. Là encore, il faut détourer au ciseau, mais les contours sont assez simples. Donc, rien d'impossible, je vous assure. Avec des petits sentiments très sympas, je trouve. Et vraiment, on a la possibilité de faire plein de belles choses avec ces petites chouettes. Ah, Catherine les apprécie. Alors, c'est parti. J'ai fait des créations un petit peu différentes. Je vous montrerai aussi les papiers, vous allez voir. J'ai fait des mix. Voilà, j'ai fait beaucoup de mix pour ces créations. Tu m'as fait peur. C'est chouchou, il m'a fait peur. Je ne l'ai pas entendu arriver. Alors, on part sur donc ces petites chouettes. Voici donc les premières petites créations que je vous propose. Oui, Cécilia, c'est ça. Une petite carte pochette. Quand même un assez grand format. Cathy te dit bonne année. Et du coup... c'est assez pratique si vous êtes plusieurs à devoir écrire un petit mot sur une carte. Voilà. Donc on a le petit sentiment à l'intérieur. Ça, vous verrez, je vous apprendrai à la réaliser puisque ce sera l'objet d'un de nos futurs lives. Donc voilà la fameuse petite chouette qui est tout simplement colorisée ici avec les crayons aquarelle et les crayons estompe. Un joli petit ruban et voilà. Oui, j'avais compris, Catherine, que c'était des chouettes que vous parlez, dont tu parlais. Mais moi, il y a vraiment chouchou à côté qui m'a fait peur. Et la deuxième version en fraisia en fleurs avec horizon de bruyère. Exactement le même, mais dans deux combos de couleurs différents. Voilà. Donc ça, c'est les premières créations que je vous propose avec ces fameuses petites chouettes. Du coup, pour la colorisation, c'est la même chose. Les crayons aquarelle et le crayon estompe. Et du coup, on arrive quand même à faire des ombres. C'est assez sympa.
Voilà pour les deux premières créations que je vous propose avec ces petites chouettes. Pour la troisième, je l'ai combinée en fait avec le papier Vichy que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, on est sur une carte 15-15. Voilà. Du coup, j'ai carrément mis les trois chouettes. Voilà. Avec les découpes forme à la mode. Vous savez que je les aime beaucoup. Et la colorisation avec les Stampin' Blends. Allez, chouchou, va par là. Bisous. Donc, trois papiers Vichy en pétale rose. Et pour le dernier, eh bien, tout simplement embossé avec un classeur de gaufrage Vichy. Voilà. C'est tout bête. On a un matage en blanc derrière. Et le tour est joué. Du coup, on peut s'éclater avec les trois petites chouettes. Ici, le sentiment vient d'un set de tampons du catalogue annuel qui s'appelle Souhait en grand. Voilà. J'ai trouvé que ça allait parfaitement bien ici. Et l'intérieur, tout simplement, un petit sentiment ici, un petit bout de papier design et le tour est joué. Sympa, hein? Elles sont vraiment trop mignonnes, ces petites chouettes. Ah, coucou Lisa! Ça va ma belle? Delphine? Il m'a perturbée. Ça vous plaît? Pour finir avec ces petites chouettes. Et là encore, je vous ai dit, hein, les papiers design qui sont ici, je vais vous les montrer après, parce qu'ils seront de toute façon dans d'autres créations que j'ai à vous proposer. Donc vous les retrouverez et vous allez savoir tout de suite de quoi il s'agissait. La troisième création que je vous propose avec les petites chouettes, c'est une carte à bascule, plus ou moins. Alors là, ici, c'est le papier. Donc, qui vient d'une collection magique qui s'appelle Caprice de Météo. Et je trouvais que là, ça allait super bien. On a un joli cerf-volant ici. Mais attention, vous êtes prêts? Et hop là! Et la chouette s'envole. Voilà. Et alors ça aussi, ça fera l'objet d'un de nos futurs lives du début d'année. Et vous allez voir, c'est super facile à réaliser. C'est trop simple. On va pouvoir découvrir la technique du miroir. Voilà. Et vous allez voir que c'est hyper simple. Attention, on recommence. Toc. Et voilà. Catherine se réjouit. Bon, bah ça, c'est top. Les petites fleurs ici, pareil, viennent de Caprices de Météo. C'est trop chou, trop mignon. Voilà, vous allez voir, la création est facile à faire. Ça a l'air de vous plaire, ça c'est top. Vraiment, ça me fait super plaisir. C'est une des premières créations que j'ai réalisées quand j'ai reçu ma commande. Je me suis bien marrée à faire ça. Voilà, vous allez voir, c'est très très sympa et très simple à faire. Donc, on se retrouvera très très bientôt pour réaliser cette petite création. Voilà pour cette présentation de nos petites chouettes de la Celebration que vous pourrez obtenir gratuitement dès 60 euros d'achat. Bon, j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Moi, vraiment, je les trouve trop craquantes. Puis il y a vraiment moyen de s'amuser avec la colorisation. On peut faire plein plein de choses différentes. Donc, vraiment très sympa. J'ai mis un nuage. Non, le nuage, en fait, il fait partie. Alors, je vais essayer de zoomer un peu plus. Il est comme embossé, un peu brillant. Il fait partie intégrante du papier design, en fait. C'est un seul morceau, là. Et du coup, ça tombait pile poil sur la création. C'était trop bien. C'était trop bien. Donc ça fait partie donc du papier design en un seul morceau. Voilà. Je ne sais pas si vous apercevez, ça brille un petit peu. C'est comme s'il était embossé. Voilà. Pour nos petites chouettes. Pas de soucis, Cathy. Je t'en prie. Hop. Voilà.
Je mets ça de côté et on continue. J'adore vous montrer tout ça, je vous jure, c'est un vrai plaisir. J'ai travaillé pendant plusieurs jours toute seule dans mon coin à faire des petites créations. Et du coup, de pouvoir enfin les partager avec vous, c'est un vrai bonheur. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Ah oui, on va partir sur ce papier. Toc. Vous allez voir. Celui-là. Et du coup, vous allez déjà retrouver un des papiers que je vous ai proposé justement avec les petites chouettes. Je vous jure que je manque vraiment de place. À chaque fois, c'est pareil. On va mettre ça là. Non, ça ne veut pas. Bah, par terre alors. Je prends en même temps une autre petite création que j'ai faite avec. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un lot de papier au format 30-30 qui s'appelle Motif Coquet, qui est gratuit pendant la Celebration des 120 euros d'achat. Voilà, ok. Avec toutes ces couleurs disponibles dans les différents papiers. Et figurez-vous qu'il y en a beaucoup. Parce que là, vous voyez une page. Mais magie, magie, il y a aussi toutes ces couleurs-là dans le paquet. Et donc ça, vous le trouverez à la page 14 de votre brochure Celebration. Donc, rappelez-vous, gratuit dès 120 euros d'achat. Au format 30,5 par 30,5, donc un énorme gros paquet de papier, avec la possibilité de faire un nombre incalculable de styles de création. Vraiment, c'est le top du top. Coucou Karine, comment ça va? Alors, je crois que j'ai un petit bug encore des commentaires. C'est quand même assez frustrant, vous l'avouerez, si je ne peux pas échanger avec vous. Non, mais. Pas de souci. Ah oui, t'as un problème avec tes réseaux. Ok, ça marche. Coucou Mimi, je t'avais pas vu. Le papier, il est vraiment incroyable. Les coloris, les motifs. Mais oui, je suis d'accord, Cécilia, il est vraiment trop, trop bien. Là, on a vraiment. Enfin, moi, j'ai vraiment envie de faire plein, plein de choses. Et d'ailleurs, pour celles qui ont reçu le catalogue, le petit cadeau a été créé donc avec ces papiers-là, justement. Voilà. Et du coup, donc j'ai réalisé notamment, hop, que je vous remontre les petites pochettes avec ce papier. Et du coup, j'ai fait une autre création un petit peu plus un vent de fraîcheur dans ce papier. Oui, je suis d'accord. Une autre création un peu plus conséquente avec ce papier. Je vous montre ça tout de suite. Voilà un joli cadre. Avec ma fille et ma belle-fille. Voilà, il y en a à qui il va parler ce papier. Un petit cadre que vous pouvez soit accrocher, soit poser. Voilà, parce que du coup, j'ai rajouté un petit tag à l'arrière pour pouvoir potentiellement l'accrocher. Et donc, vous retrouvez donc ce papier. Donc là, si je vous montre la présentation, toc toc, elle est là. Vous retrouvez le papier fleuri ici. Vous retrouvez dans le bas ici le papier. Hop, ça c'est la deuxième alarme. Et ici, comme un petit papier Vichy. Vous allez apercevoir aussi quelques petites choses ici, notamment. Et là, je l'ai évidemment combiné avec un set de tampons, enfin plutôt un lot, qui me fait craquer et du coup que mes ados aiment aussi beaucoup et pour cause, ça leur ressemble quand même beaucoup. Vous allez voir, je vous montre tout de suite et après on passera aux deux autres questions. Alors, le premier set de tampons que j'ai utilisé ici, vous voyez, j'ai sœur ici. Eh bien, on a un nouveau set de tampons dans le mini catalogue qui manquait. Vraiment, celui-ci, il manquait. Il est parfait pour tout un tas de raisons et pour plein de futures créations, on est d'accord, parce que là du coup on a tous les membres de la famille et c'est vraiment génial. On a même le gendre, vous avez vu, petite fille, belle-fille,
petit-fils ou petite-fille. Il y a vraiment tout et ça, c'est génial. Pour toutes nos créations, nos futures cartes de vœux d'anniversaire, nos albums et tout, et vraiment, celui-là nous manquait. Et s'il y en a un à avoir, c'est bien celui-ci quand on est des accros de scrap comme on l'est, vous et moi. On est d'accord? On est d'accord. Et du coup, ici, donc j'ai utilisé sœur, et puis là, bah, j'ai simplement caché avec du masking tape les deux mots ici à gauche et à droite pour garder le ma. D'accord? Et du coup, on se retrouve avec ma sœur. Et le je t'adore, lui, il vient du fameux lot dont j'allais vous parler, qui s'appelle Bulle de BD et qui est vraiment trop sympa pour nos enfants, nos ados, pour même les inviter à scraper, pourquoi pas, ou pour nos pages de scrap, ou vous voyez, nos cadres photos. Alors là, c'est pareil, j'ai masqué ici tout simplement pour garder la bulle et du coup, j'ai entré le message à l'intérieur et le je t'adore, il vient d'ici tout simplement. Et on ne se contente pas des sets de tampons parce qu'on a carrément toutes les bulles en poinçon. Et ça, c'est trop fun. On va pouvoir s'éclater avec ça, c'est vraiment incroyable. Donc ça, c'est un lot super complet et qui donne un petit coup de jeune et ça, c'est vraiment sympa. Plein de bisous Marie-Christine et meilleurs vœux à toi aussi. Voilà, alors bulle de BD, il est vraiment génial. Donc c'est ce que j'ai combiné donc ici, la meilleure famille avec tous les membres de la famille. Et ça vraiment, celui-ci il manquait, il est juste incroyable. Bulle de BD, le lot avec donc tous ces super sentiments et bien sûr les poinçons de découpe des différentes bulles, c'est trop cool. Du coup, il y a vraiment de quoi s'éclater. T'as aussi pensé à Zoé? Bah ouais, non mais carrément, moi les filles, elles ont adoré quand elles l'ont vu. Vraiment super. Donc là, ici, je sais pas si vous apercevez, voilà. Il est en deux fois, donc là je l'ai mis en 3D. On a la petite bulle ici avec les cœurs. Voilà. Il y a vraiment de quoi faire des trucs sympas. Voilà. Alors, on y va. Vous êtes prêts? Je vous pose les deux autres questions, la 3 et la 4. On prend un petit peu de retard, mais bon. Alors, question numéro 3. Oups. Nous sommes 120 et composés des couleurs bleu nuit, brune dune et blanc. Comment nous appelons-nous? Je répète, nous sommes 120 est composé des couleurs bleu nuit, brune dune et blanc. Comment nous appelons-nous? Ça, c'est donc la troisième question. Quatrième question. Je suis un lot coordonné à un cadeau de la brochure Celebration. Dans mon set de tampons, j'ai entre autres 3 sentiments. Quel lot suis-je? Je répète la question 4. Je suis un lot qui est coordonné à un cadeau Celebration. Donc vous savez, un lot, c'est tampon poinçon ou tampon perfo. Dans mon set de tampons, j'ai entre autres 3 sentiments. Quel lot suis-je? C'est bon pour vous? Vous avez les questions 3 et 4? Vous avez réussi à les noter? C'est OK? Bon, de toute façon, pas d'inquiétude. S'il vous en manque, eh bien, vous avez accès au replay sur Facebook ou YouTube, d'accord? Et vous savez qu'on fait les questions à peu près toutes les 20 minutes. La première, ayant commencé aux alentours de 20h50, ça vous donne à peu près une idée, pour retrouver toutes les questions. C'est bon pour vous? Si vous nous rejoignez à l'instant, d'abord je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite une bonne année 2023 et donc on se retrouve ce soir pour les portes ouvertes virtuelles à l'occasion de la sortie du mini-catalogue janvier-avril 2023 qui débute le 5 janvier ainsi que la Celebration janvier-février et attention, il n'y en aura qu'une cette année. Voilà pour
Ce magnifique papier, ce lot, bulle de BD et la meilleure des familles. Vraiment, ça, ce sont des créations, des outils dont vous avez forcément besoin pour faire vos futures créations. J'avais compris dans mon set, j'ai 3 centimes. Ah, pardon. Non, 3 centimes du coup. Tu me fais trop rire, ma belle. Non, non, c'est bien 3 centimes et pas 3 centimes. Alors, je continue avec deux autres papiers. Hop, de la Celebration. Toc. Le premier, c'est celui-ci. Journée à la ferme. Un papier très marqué qui va beaucoup, beaucoup vous être utile si vous avez notamment des enfants en bas âge, puisque nous sommes sur des motifs qui sont très enfantins, mais du coup, ça peut beaucoup, beaucoup leur plaire pour des créations d'anniversaire notamment. On pourrait même l'envisager pour du papier peint dans une chambre d'enfant, pour certains motifs, j'entends. C'est assez... pas ce que vous en pensez. Donc à chaque fois, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais vous avez le recto et le verso. Donc en haut le recto, en bas le verso. Et du coup, ça vous donne un aperçu global des papiers. On est sur du format 30,5 par 30,5. Et ce papier, il est gratuit dès 60 euros d'achat. Pour cette première création, en fait, il va y avoir une création avec deux styles de papier. Cécilia, je te comprends, ma biche. Alors, la création que je vous propose avec ce papier, eh bien, c'est un sac cadeau, tout simplement. Alors, si je le mets de côté, ce sera peut-être mieux, parce que du coup, il est assez grand. Vous voyez, ma feuille fait 30-30. Donc, un petit sac cadeau pour offrir des petites choses ou des grandes choses, hein. Voilà, un sac tout simple, mais du coup, pour un petit cadeau, mettre un petit cadeau d'anniversaire pour un enfant, ça peut être assez sympa. Voilà, c'est quelque chose de très simple à réaliser. Je pense que ce sera aussi l'objet d'un live. Voilà, parce que c'est toujours pratique d'avoir un petit sac cadeau sous la main lorsqu'on a une invitation, par exemple, ou que nos enfants sont invités. Voilà, on ne sait jamais. Donc ça peut être vraiment très sympa. Et du coup, pour la poignée, simplement un dies. Hein. Voilà, un dies d'étiquette, tout bête. Voilà, voilà. Alors je vous disais, une création avec deux papiers différents. Je vous montre tout de suite pourquoi. Je l'ai fait, celui-ci, dans une autre version. Et vous allez voir comme quoi une seule et même création peut prendre tout de suite des aspects complètement différents, tout simplement parce que il y a aussi ce papier qui est incroyable dans la Celebration. Alors je vais faire comme ça, vous verrez mieux. Fleur de prédilection. Beaucoup m'ont dit déjà, oui, il est quand même très foncé, très marqué, c'est vrai. Mais croyez-moi, on peut malgré tout faire de très très jolies choses avec. Sachez aussi que dans le mini-catalogue, vous retrouverez un lot tampon-poinçon, d'accord, où vous retrouverez les motifs des fleurs comme ici, et également des poinçons, donc qui pourront découper vos tampons, mais qui pourront aussi découper certains motifs du papier design. Donc c'est assez pratique. Cependant, si vous ne voulez pas investir dans ce lot, les fleurs sont tout à fait détourable au ciseau. Ah, Tissia aime beaucoup ce papier. Cathy préfère celui-là au précédent. Coucou Sylvie, pour les réponses, faut-il marquer la référence à la page du catalogue et la désignation? Bonsoir Sylvie, non, pas forcément, sauf si c'est précisé dans la question. Tout simplement. Donc, je vous disais, une seule création, mais avec un tout autre style. Là, voilà, on est avec le papier fleur de prédilection. Hop, fraisia en fleur. Et on est quand même sur un joli sac cadeau. Vous voyez, on est dans deux univers complètement différents. Merci Ticia, je suis contente que ça te plaise. Voilà, regardez. Là,
Imaginez, vous allez chez une copine qui vous invite à dîner et elle a des enfants, et bien du coup, elle aura son petit sac cadeau et son enfant aura lui aussi son petit sac cadeau. Voilà, magique. C'est pas trop cool? Et du coup, je vous apprendrai très prochainement à réaliser ces petits sacs, vous verrez. C'est franchement tout bête. Et ça donne un effet super sympa. Vous pouvez aussi rajouter des étiquettes, vous pouvez rajouter des petites choses aussi dessus si vous voulez décorer. Mais le papier ici est tellement marqué que je n'ai pas voulu le charger encore plus qu'il ne l'était déjà. En revanche, si vous prenez des papiers un petit peu plus simples et un peu plus soft, eh bien, bien sûr, vous pouvez rajouter des étiquettes, un petit tag. Voilà, plein plein de choses si vous en avez envie. Voilà. Donc, voyez, c'est assez sympa, hein? Et c'est l'avantage d'avoir du papier donc au format 30-30, parce que du coup on peut faire des formats assez sympas. Et puis, genre de création pas très compliquée à faire, mais qui peut malgré tout faire un superbe effet de cadeau. Merci Cécilia, ça fait plaisir. Alors, je vais vous montrer deux autres petites créations, toujours avec le papier fleur de prédilection, parce que j'avais envie de me tester un peu. Alors la première, j'ai utilisé à chaque fois mes papiers préférés. La voici. Alors je vais juste mettre ça de côté pour que voilà, vous voyez mieux. Alors on est sur une carte donc qui se pose comme ceci, d'accord? Ok. Donc vous voyez le papier toujours hein, un peu chargé et foncé, mais malgré tout, avec le matage en blanc, on le fait déjà bien ressortir et on l'éclaircit. Merci beaucoup Annie, c'est gentil. Et du coup, on a quand même le verso qui est ici sur la base de la carte. J'ai utilisé carrément le papier design pour embosser à chaud le sentiment. Donc, félicitations. Voilà, directement sur le papier design avec des petits traits au Stampin' Write noir nu, tout bêtement. D'accord. Et voilà, une petite chute de papier à l'intérieur. Et un petit sentiment ici, et du coup, on se retrouve avec une super jolie carte, toute simple, mais vraiment très sympa. Vous allez me dire, sentiment là, bougez pas, je vous dis ça tout de suite. Ce sentiment, il vient de celui-ci, sympa et généreuse, pareil, qui est dans le mini catalogue, et vraiment, je l'aime beaucoup. De manière générale, j'aime beaucoup les sets de tampons où il y a des sentiments dedans, avec des polices d'écriture différentes. Et là, j'étais servie, d'accord, tout simplement, parce que ce côté majuscule, je trouve ça très très sympa. Le félicitations, il est immense, hein, vous voyez. Donc là, on marque vraiment le coup quand on veut féliciter quelqu'un, et je trouve ça vraiment fun, plutôt que d'avoir un tout petit félicitations, là au moins on marque le coup. Le merci aussi, j'aime beaucoup, j'ai besoin de beaucoup de cartes de remerciement. Donc avoir des différentes polices d'écriture et dimensions pour les remerciements, j'adore. Et du coup, on a la possibilité de faire différentes combinaisons. Donc ce set de tampons me plaît vraiment beaucoup. Et donc je vous disais, embossage à chaud ici avec de la poudre blanche, tout simplement. La deuxième création que je voulais vous proposer, toujours avec le papier fleur de prédilection, voilà. Un petit peu plus soft que la précédente. Du coup, j'ai simplement embossé du papier blanc avec le plioir de gaufrage Jolie Fleur, qui lui est au catalogue annuel. J'ai détouré mes fleurs dans le papier design au ciseau, donc vous voyez, c'est gérable, il n'y a pas de souci. Une petite bande du verso du papier à nouveau, des petits papillons, vous les reconnaîtrez, et l'embossage à chaud en doré pour le merci que j'ai simplement répliqué trois fois. Voilà, ça change que de le mettre une seule fois. Je me suis dit, tiens, je vais le faire en plusieurs fois, pourquoi pas? Et du coup, on se retrouve à une carte toute simple, mais un petit peu plus classe, et ça, j'aime bien aussi. L'intérieur, pareil, du matage, un petit message, une petite chute de papier, et c'est nickel, le tour est joué. Donc, vous voyez, ce papier fleur de prédilection qui, au premier abord, est un petit peu foncé. On peut vraiment, vraiment faire des jolies choses avec. Ça vous plaît? Ça a l'air. En tout cas, ça me fait plaisir. C'est cool. Je me suis vraiment éclatée à les faire. Je suis assez contente de voir le résultat. Et voilà, tout ça, hein, c'est vraiment le papier design qui est découpé, détouré au ciseau, tout bêtement. Donc, il y a vraiment de quoi faire des jolies choses. Et n'hésitez pas à utiliser vos plioirs de gaufrage. Vraiment, ça
fait vivre le papier uni, c'est absolument magique. Voilà, voilà. Merci Jocelyne. Donc c'était ça pour Fleurs de prédilection, le papier 30-30 qui est gratuit dès 60 euros d'achat jusqu'au 28 février et combiné donc avec le set de tampons sympa et généreuse. Thérèse, il n'y a pas de souci, ne t'en fais pas, tu pourras regarder le replay. Et du coup, tu retrouveras toutes les questions, ne sois pas inquiète. Alors, je vais rapprocher un petit peu. Il ne faut jamais s'arrêter à la première impression. Surtout avec les catalogues Stampin' Up, je suis parfaitement d'accord avec toi, ma petite Cécilia. Je vais juste rapprocher un peu mes créations ici. Toc. Parce qu'à force, ça part de l'autre côté et... Inspecteur Gadget, il a oublié de sortir ses bras. Bien, alors, on continue. Ça va, vous vous ennuyez pas trop, j'espère que vous passez un bon moment et que le blues de la rentrée a disparu et que du coup, vous en prenez plein les yeux et que je vous ouvre des perspectives différentes, en tout cas, j'espère, du fond du cœur. Voilà, j'espère que vous passez un bon moment. Alors, nous allons attaquer maintenant... Allez, un autre set de tampons de la Celebration. D'ailleurs, pour la petite histoire, celui-ci, je l'ai gagné à Vienne lors de On Stage. Et c'est le tout premier cadeau que j'ai eu. Non, c'est pas vrai, c'est pas le tout premier. C'est le deuxième, la deuxième tournée de cadeaux que j'ai eu. Et c'est vraiment trop cool. Bonheur florissant. Alors, par contre, j'ai un gros bug. Dans ma présentation, je vous demande 3 secondes, il faut que je vérifie. J'ai oublié à partir de combien on peut l'obtenir. Ah oui, c'est ça. Celui-ci, Gogo Jet Omar, tu m'étonnes. C'est ça, mais tu verrais là, dans mes 6 mètres carrés, voilà, on ne peut plus passer. Merci Francine, en effet, il est gratuit dès 120 euros d'achat. Mais sincèrement, il vaut vraiment le coup parce que, je vous dis tout de suite pourquoi, on a la partie contour ici, mais on a absolument toutes les parties ici pour coloriser avec les pâtes d'encre ou les Stampin' Ride, vous savez, avec les feutres à eau, on peut coloriser directement dessus. Et du coup, chacune de ces parties ici et là peuvent être colorisées avec les différents tampons en deuxième étape et ça c'est trop bien parce que c'est super pratique et ça rend vraiment super bien. Vous avez aperçu tout à l'heure le 100% bonheur, peut-être vous n'y avez peut-être pas prêté attention, mais il se trouve ici, vous vous souvenez, sur la carte fleur de prédilection 100% bonheur, et bien le sentiment il est ici. Et dans une autre carte, j'avais utilisé tu es trop adorable, et bien pareil, il vient de celui-ci. Bah d'ailleurs, c'était la deuxième carte. Voilà, c'est magique. Voilà, les sentiments sont là. Donc vraiment, il est très complet celui-ci, avec des fleurs, avec des beaux sentiments. Donc vraiment, il est vraiment très sympa. Ah, Cécilia, certainement mon prochain cadeau. Bon, bah écoute, c'est parfait. Et vraiment, il est très très pratique. Et la petite création que je voulais vous montrer avec ce set, eh bien, c'est celle-ci. Voilà, on a donc, comme je vous disais, les contours. Ici, j'ai travaillé avec le combo de couleurs flamant fougueux, vert olive. Et là, vous n'allez pas très très bien le voir, mais Mélodie de Manque. Parce qu'on a même le cœur de la fleur que l'on peut tamponner. Si vous apercevez ici, eh bien, c'est le cœur de la fleur qui est là. Et le tout petit... Toute petite chose qui est ici, c'est le cœur de la fleur qui est là, ou là. Je vous avais dit, hein, chacune des parties peut être colorisée. Donc c'est magique. Ici, on a donc là, ça là, et là, ça va là. Alors, Annelise, je t'assure que ceux-là, ils tombent parfaitement bien sur les contours. Donc ils sont très simples à utiliser, vraiment. Ça vaut le coup d'essayer. Donc, flamant fougueux, vous apercevez, ça brille. J'ai évidemment rajouté du Wink of Stella, hein, je ne pouvais pas m'en passer.
Voilà. C'est tout bête, encore une fois. Voilà. On part par exemple sur un combo de deux ou trois couleurs et après on se laisse porter tout simplement. Ici, donc là j'ai fait avec le pad d'encre et pour les petites choses ici là, j'avais envie de deux couleurs, donc je l'ai colorisé directement avec le Stampin' Right sur le set de tampons pour ensuite venir le mettre sur ma fleur. Merci Nadine. Voilà. C'est vraiment tout bête. Et ici, alors là, du fond du cœur, celui-ci, il vient de ce que je vous ai montré juste avant. C'est-à-dire celui-ci. Voyez, du fond du cœur, je vous avais dit que c'était super pratique. Voilà. Les paillettes, c'est la vie, tu m'étonnes. Et là, vous apercevez un joli bord ici. Ça, c'est pareil, c'est un set de tampons qui m'a complètement fait craquer, justement parce qu'on peut embellir l'intérieur de nos cartes, entre autres, bien sûr. Et je trouve ça juste magique. On ouvre, alors, on a une carte qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, bon bref, qui est somme toute jolie parce qu'elle est travaillée et faite main. Et du coup, on l'ouvre et on a, voilà, ce petit sentiment-là, tout bête. Et cette jolie bordure, j'adore. Ben celui-ci, il vient de Decorative Borders, du mini catalogue. Et du coup, on a la possibilité de faire plein de bordures trop belles. Et je trouve ça trop cool. Vous voyez, là, c'est arrondi, donc on peut imaginer faire des ovales ou même des ronds, enfin, sur un angle. Il est vraiment trop beau. Trop, trop beau. J'ai pas eu le temps de faire assez de créations avec. Mais déjà, je trouve que rien que ça vous donne déjà une idée des nombreuses possibilités qui s'offrent à vous avec ce set de tampons. Je ne sais pas si vous l'aviez repéré, mais vraiment, il est trop chouette. Donc voilà, une carte toute simple où on peut mélanger les styles, mélanger les sets de tampons. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est tout à fait possible. Il me semble que la troisième alarme a sonné, donc je vais tout de suite vous donner les prochaines questions. Merci Annelise, c'est gentil. On y va. Alors, cinquième question. En rejoignant Stampin' Up! Pendant la Celebration, trois options sont possibles. Quelles sont-elles? Je vous demande donc de me citer les trois options qui s'offrent à vous si vous rejoignez l'équipe des Stamp Lovers. Gros bisous ma petite Catherine, bonne soirée, merci d'avoir été là. Donc, en rejoignant Stampin' Up! Pendant la Celebration, trois options vous sont possibles si vous rejoignez la famille Stampin' Up! Et notamment l'équipe des Stamp Lovers. Quelles sont-elles? Je vous laisse quelques secondes pour noter la question. Et je passe maintenant à la sixième. Ça, c'est facile. Nous avons un aperçu d'une future incolore 23-25. Comment s'appelle-t-elle? Nous avons un aperçu d'une future incolore 23-25. Comment s'appelle-t-elle? Vous allez voir, c'est facile. C'est hyper facile. C'est bon, vous avez noté les deux questions? C'est OK pour vous? Bon, alors on continue, c'est parti. Toc, on continue. Alors, je vais vous présenter maintenant deux petites créations réalisées cette fois avec une collection du mini catalogue. Toc, je mets ça là. C'est quoi le fond orange de ma carte? Alors, ici, le papier design, il est en fait en flamant fougueux et celui-ci, il vient du. Comment ça s'appelle? De la collection Caprice de Météo. Du coup, je vais vous montrer, je vais vous présenter la collection. C'est une de mes préférées et le comble, c'est que j'ai pas eu le temps de faire les créations que je voulais avec, bien que j'ai utilisé un petit peu le papier. Mais je vous ai fait quand même une belle présentation, donc vous allez pouvoir la découvrir. Alors, le papier Caprice de Météo, il est absolument incroyablement magique et beau. Il me fait complètement craquer.
Recto, verso, à chaque fois, en haut et en bas. Il est incroyable ce papier. Il est aussi. Ah, vous apercevez le brillant un petit peu partout. Vous avez vu, même sur le petit lapin là, hop hop, ça brille. C'est magique. C'est trop bien. Et du coup, on retrouve, vous voyez, les petits nuages qu'on a vus tout à l'heure sur la création avec la petite chouette. Voilà, ça déjà, c'est pareil, c'est du papier. On n'a qu'une envie, c'est de nouveau dire vive le printemps, hein. Donc le papier anise, c'est celui-ci. Il est en flamant fougueux. Là, tu vois, on a le Mélodie de mangue en orange, là aussi. Donc là, on est plus sur le rose. Recto, verso, à chaque fois. Voici la gamme de couleurs qui vous est proposée. On est sur. Oh, je me suis trompée, c'est pas ça, c'est Caprice de météo. Page 50, au format 30,5 par 30,5. Il est incroyable. Il est trop beau. Et alors, avec lui, on a un lot tampon poinçon qui est juste magique. Évidemment, on peut découper beaucoup, beaucoup, beaucoup de motifs dans le papier design directement, mais aussi on peut s'amuser à tamponner. Gros bisous, ma Cathy, à bientôt! Et voilà tout. Coucou, ma petite coco! Le fameux lot. Voilà tout ce que vous pouvez envisager de faire avec ce lot. Le lot, les joies de la pluie. D'accord? Alors, que je vous explique un petit peu cette fameuse présentation. Ici, sur jusqu'au pointillé, d'accord? Donc, tout ça, là. Ce sont des découpes, vous voyez que ça brille, hein? Des découpes que j'ai faites directement avec les poinçons dans le papier design, le papier à motif directement. Ok? Donc, avec les poinçons, vous avez la possibilité de découper la belle tortue avec sa petite marguerite, le petit lapinou, coucou Delphine, et le petit renard avec son parapluie, ainsi que les nuages. D'accord? Donc, ça, hop, je vais vous montrer. Ça, ce sont tous les poinçons qui sont dans le set. Donc, c'est assez incroyable. Ok. Ensuite, vous avez ici toutes les autres découpes possibles avec les tamponnages. Alors, je ne sais pas si vous l'apercevez bien, mais oui, Delphine, je te comprends aisément. Tout ceci, alors hormis le cerf-volant bien sûr, tout le reste, ce sont des tamponnages que j'ai colorisés moi-même pour vous donner une idée de ce que ça pouvait donner. Donc c'est pour ça que là, ça brille pas, d'accord? C'est de la colorisation que j'ai faite et notamment avec les pinceaux aquarelles, les pinceaux à eau et les pâtes d'encre, d'accord? Et du coup, ce sont tout ça, tous les tamponnages ici et là, que vous pouvez réaliser avec le set de tampons. Hop. Dansons sous la pluie. Là, vous apercevez donc en noir et blanc tous les tamponnages. Et du coup, ici, vous avez avec la colorisation. On a aussi donc le fameux cerf-volant que vous avez aperçu aussi sur la première carte, dans les premières cartes avec la chouette. Vous savez, la petite chouette qui tourne là. Donc on a les différents éléments qui se terminent comme ça. Donc on peut s'amuser à faire plusieurs couleurs. Et on a le petit renard avec son parapluie, la tortue, le petit lapinou. On a le parapluie fermé, la flaque d'eau, le mini champ de marguerite, les petits papillons, la jolie barrière, le tronc d'arbre et les feuillages. Voilà, ça ce sont des découpes directes et un petit peu embossées. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez le tronc d'arbre? Il est déjà pré-embossé, les petites herbes aussi. Voilà, ça, alors c'est un lot qui est vraiment hyper, hyper complet. Il est à, si c'est le lot que vous achetez, donc à moins 10%, il est à 67,50 €. Et vraiment, il y a de quoi s'éclater, je vous assure. Gros bisous, Mumu. Vraiment, il est incroyable. Incroyable. Donc le papier venait d'ici, ma petite Anne-Lise. J'espère t'avoir aidé. J'ai vraiment hâte de créer avec, mais du coup, je ne peux pas tout faire. Mais ça va venir, croyez-moi. J'en étais donc ensuite à la collection Désert délicat. Hop, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont repéré ce papier.
comme toujours, recto verso, en haut et en bas, il est à la page, elle est à la page 42 du mini catalogue. On est sur du papier en 30,5 par 30,5. Voilà, et c'est vraiment quelque chose de très doux, de paisible, vraiment très sympa. Il me semble d'ailleurs que Steph, c'est le papier qu'elle a utilisé pour sa future crop avec Soph. Et vraiment, il est très très doux, il est chaleureux ce papier, je trouve. Il est accompagné donc lui aussi d'un lot, Délicatesse du désert. On retrouve ici des sentiments très jolis et aussi des bordures qui peuvent vous permettre de faire des fonds de cartes aussi vraiment très très jolis. On a le tamponnage avec, donc vous l'aurez compris, les poinçons qui découpent les contours. Et on a ça aussi, des cadres magnifiques. J'aime beaucoup par principe les cadres, je trouve ça très sympa parce qu'on peut vraiment vraiment s'amuser avec. Donc ça c'est vraiment fun. Il est beau, il est vraiment beau. Un de tes préférés, Cécilia, ouais, je m'en doutais. Mais t'es pas la seule, hein. Vous êtes nombreuses et nombreuses à avoir vraiment flashé sur ce lot. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités avec ce lot et notamment ces découpes. Si je peux vous montrer là, vous pouvez envisager de supprimer les petits zigouigouis là. Voilà, vous pouvez les enlever. Ou vous pouvez simplement les décrocher un petit peu pour faire passer notamment un ruban en dessous par exemple. Voilà, il y a plein de possibilités avec ce lot. Il est vraiment très sympa. Je vous propose deux petites créations très simples avec cette collection. La première, c'est une petite boîte dont j'ai fait le fond. Alors, je vous explique, enfin, je vous montre, vous comprendrez mieux. Voilà, donc j'ai fait le tamponnage pour le fond de la fermeture. Voilà, on a tout simplement avec ici en papaye pâle la fleur par-dessus, la petite découpe bordure que vous apercevez ici, voyez. Donc elle est embossée, elle est très jolie. Et on a aussi des petits sequins, hop, qui sont là. Et notamment ceux du bas, je les trouve très sympa parce que du coup on dirait des gouttes. C'est assez fun. Donc en doré. Voilà, donc une petite boîte toute simple. Je vous montre tout de suite. Donc je ne l'ai pas garnie. Hein. Voilà, une boîte toute bête. Mais du coup, un petit peu plus travaillée avec le bandeau puisqu'il est fait main. Tout simplement. Et voilà. Pareil, une petite boîte cadeau que vous pourrez, pourquoi pas, coordonner et glisser, hop, dans la pochette cadeau. Voilà. La deuxième création que je vous propose, c'est une carte qui glisse et qui se ferme, slide lock. Voyez, vous allez voir. Hop. Donc là, ocre roussillon qui fait partie de la collection. Et du coup, tout simplement, eh bien, voyez, ça glisse. Et c'est magique, ça s'ouvre comme ceci avec la jolie bordure, vous voyez, qui peut aussi décorer l'intérieur des cartes. Et ça, c'est vraiment très sympa aussi. Voilà, toute bête. Hein. Et cette carte, bah, c'est pareil, ça sera les deux projets là seront des futurs lives, vous verrez. Et du coup, je vous les proposerai dans d'autres collections différentes. Toute bête qui fait son effet. Ouais, exactement, Cécilia. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est assez sympa, du coup, je referme ça. Enfin, si j'arrive à viser, mais là, c'est pas gagné. Ah bah si, nickel. Et voilà, tout bête, hein. Voilà pour cette collection Délicatesse du désert. Pas de soucis, Marie-Christine, je te souhaite une bonne nuit et à très très bientôt. Hop, allez, je mets ça de côté, on arrive à la fin, vous allez voir. J'ai encore des projets très très mignons à vous montrer. Je vais mettre ça là. Il me faut toujours un petit peu de place. Hein. Oui, une collection chic, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, avant d'attaquer une grosse collection, je vous montre un set de tampons qui, je suis sûre, va plaire à beaucoup d'entre vous.
À une époque, il y a quelque temps, je vous avais dit, surtout gardez vos poinçons pour les gnomes. Est-ce que vous les avez repérés dans le mini-catalogue? Voici les gnomes version printemps. Et je les adore. J'ai fait une carte, je me suis éclatée littéralement avec. J'avais l'impression d'avoir 5 ans et demi. Vous allez comprendre pourquoi. Bien que à 5 ans et demi, je suis pas, ça me paraît un peu compliqué, mais vous aurez compris le principe. Et ils sont trop craquants. Alors oui, les sentiments sont en anglais, mais sincèrement, moi je m'en moque complètement. Parce qu'on a suffisamment de sets de tampons avec des sentiments pour pouvoir accorder ces adorables petits gnomes qui vont, franchement, c'est l'éclate. Et on a quand même aussi un petit écureuil ici. Et le petit oiseau ici. Oui, Viviane, les gnomes à toutes les saisons. Et ça, je trouve que ça vaut le coup. Alors, je vous montre tout de suite la création. J'en ai fait qu'une, je vous avoue. Mais je me suis éclatée. Mais franchement éclatée. C'est une carte, toute simple. Et voilà. Je me suis éclatée à la faire, je vous promets. Je me suis vraiment marrée à la faire. Alors, j'ai fait le fond. Tout simplement, j'ai découpé dans une feuille de brouillon. Ici, avec les poinçons, on a des poinçons bordure dans l'annuel. Pareil ici, hein, voilà, toc. On a joué ici avec les brosses à estompes, tout simplement. Ouais, non mais vraiment, il est trop. Ils sont trop, ils sont vraiment trop mignons. Et du coup, j'ai travaillé aussi avec la technique de masquage. Par rapport donc au petit gnome qui est là, par rapport au à la maison champignon, au petit écureuil et au petit oiseau. Voilà, donc j'ai joué du ciseau pas mal avec le papier à masquage, mais franchement, ça valait le coup. Ici, je l'ai juste découpé donc avec les poinçons parce que je l'ai positionné donc en 3D. Vous apercevez. Voilà. Et voilà, je me suis éclatée à faire ça. Vous constaterez aussi dans le mini-catalogue que nous avons des nouvelles mini-brosses à estompes qui sont hyper ergonomiques parce qu'elles tiennent trop bien dans la main. Attendez, je vais vous en attraper une quand même que vous puissiez vous rendre compte. Alors. Ne bougez pas, elle ne veut pas sortir. Voilà, je reviens. J'ai pris deux petites et je voulais une grande. En même temps, voilà ma chaise pour éviter de tomber. Alors ça, c'est la version grand format. Donc je vous la mets dans ma main. Ok. Et dans le mini catalogue, là, vous allez pouvoir avoir la mini version. Vous voyez, je ne mouvement pas, hein, je m'en suis servi. Hein. Il serait chou pour le 14 février. Ouais, Viviane, carrément. Voilà, donc ça, elles arrivent. Dès le 5, vous pourrez les commander. Et vraiment, elles ont une parfaite tenue dans la main. C'est vraiment très pratique. Surtout pour les petites choses comme ça et tout, on peut vraiment bien insister. Donc ça, c'est le top. Donc les nouvelles mini. Voilà. Et du coup, bah voilà, les petits gnomes, je me suis éclatée. Voilà, une petite carte d'anniversaire. Très sympa. Je sais, j'ai gardé mon âme d'enfant, mais que voulez-vous? Je ne fais pas ce métier-là pour rien, hein? Vraiment. On est d'accord. Je l'avoue, je l'admets. Mais du coup, c'est l'éclate. Voilà. Et on aurait tort de s'en priver. Non mais. Voilà pour ce set de tampons. Je vais tout de suite vous lire les autres questions. Oui, les petites brosses, elles sont trop mimi. Et vraiment, elles tiennent super bien dans la main. Alors, deux autres nouvelles questions. La question d'abord numéro 7. Une nouvelle perforatrice a fait son apparition avec de nombreuses possibilités. Comment s'appelle-t-elle et à quelle page se trouve-t-elle? Donc, pour celles et ceux qui arrivent seulement maintenant, nous sommes à la chasse au trésor. Question numéro 7. Et je vous demande donc de répondre à 10 questions, de me les envoyer par mail à harmoniescrap@harmoniescrap.fr. Je ferai un tirage au sort en milieu de semaine prochaine
parmi les bonnes réponses et j'offre à la ou au gagnant un pistolet chauffant pour l'embossage à chaud. Question numéro 8. Christine n'avait pas remarqué ses mini-brosses. Eh bien voilà, c'est chose faite. Question numéro 8. Comment s'appelle le papier spécial qui se trouve sous le set de tampons danseuse étoile? Donc là, vous allez devoir partir un petit peu à la recherche, à feuilleter votre mini-catalogue. Je vous demande comment s'appelle le papier qui se trouve sous le set de tampons danseuse étoile. Voilà, voilà. Attention, il ne reste plus que deux questions avant la fin de la chasse au trésor. Et avant cela, je vous présente une... Il y a plein de choses que je ne vous ai pas montrées, j'aurai pas le temps de finir, c'est sûr. Mais c'est pas grave, vous les verrez sur mes réseaux, sur mon blog, je vous ferai des lives, je vais vous faire des réels sur Insta et tout ça, vous allez voir. Sinon, on va y être jusqu'à minuit, je m'en doutais un petit peu, mais j'avais envie de vous montrer tellement de choses en même temps. Maintenant, il faut que je voie laquelle je vais vous présenter en premier. Allez, on fait la collection masculine parce que je trouve que ces messieurs ont été beaucoup trop mis de côté pour ce soir. En plus, j'ai renvoyé Chouchou se coucher, alors bon, on va se rattraper avec la super collection d'Emart à Bécane. Vous êtes prêts? Elle est trop belle, vraiment. Je crois que je dis ça pour tout, hein. Ouais. Voilà, oui, oui, il y a encore plein de choses que je vous ai pas montrées, mais c'est sûr. Alors, voici dans un premier temps, hop, le papier. J'espère que ces présentations vous plaisent. J'ai changé un peu par rapport à l'année dernière, enfin aux années précédentes. J'espère que ça vous convient et que du coup, c'est plus évident pour vous de vous rendre compte. Alors, toi aussi, t'as gardé ton âme d'enfant, Cécilia? Ah oui, j'en doute pas. Coucou Daniel, mais y'a pas de souci, vous verrez le replay après, y'a pas de problème. Tout va bien, ça rigole ici. Donc la collection d'Emart à Bécane, incroyable, vraiment incroyable. Parce qu'on peut aussi l'adapter pour les femmes, hein, clairement. Donc vous apercevez ici en haut que le papier brille. Tous les rectos brillent, c'est juste magique. Donc on a les belles roses, on a les traces de pneus qu'on peut aussi couper pour faire des bornes. Hein, donc ça c'est top, on a les outils, les boulons, le drapeau et les fameuses étoiles. Et du coup on a des motifs un petit peu plus travaillés pour le verso. Dans des tons un peu plus neutres, doux suède, tarte au potiron, gris souris notamment, avec des jolies motos. Et vraiment quelque chose de très sympa. Vous pouvez aussi envisager, pour le fun, de les coloriser dans les tons de rose par exemple. Je vous jure, ça le fait. Ouais, non, je suis pas folle, je vous promets. Et bien sûr, on a un lot tampon poinçon avec cette collection de feu. Pareil, hein, bécane légendaire. Alors on a les contours comme là, d'accord, on a le set de tampons de la grosse moto, de la petite moto, on a la clé ici, on a la flamme quand la moto démarre, ok, on l'a en tamponnage mais on l'a juste en découpe aussi qui est très sympa, et du coup on a tout cette espèce de micmac là pour monter une moto incroyable, de fou, qui brille si on veut. Voilà, alors on a la selle à ajouter, on a les roues, on a les garde-boue, on a le truc avec le guidon, enfin c'est incroyable. Elle est trop belle, on a la partie moteur là, vous voyez, on a tout là, vous voyez. Et après on fait les assemblages et on se retrouve avec une moto incroyable. Incroyable. C'est trop beau. On a des sentiments quand même plutôt sympas, hein, on est d'accord. Assez fun, je sais pas ce que vous en pensez. Vanessa, tu la kiffes celle-là, hein? Ouais. Donc voilà, tampon poinçon, c'est absolument magique. On a avec, tiens, hop, des gemmes autocollants ici, noirs et argentés.
losange, rond et rectangulaire, et ça c'est assez rare, on est d'accord. Et on a aussi un plioir de gaufrage que vous allez voir en vrai tout de suite sur une création que je vous montre à l'instant. Alors, hop, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Alors, une carte à 3 étages. Je vais faire de la place parce que ça, c'est un peu foncé. Une carte à 3 étages. Donc là, j'ai le papier design. Ici, j'ai du papier argenté que j'ai embossé avec le fameux classeur de gaufrage que je viens de vous montrer. Pour Michael et Moto, bah ouais, tu m'étonnes. Coucou Odile, bonsoir. Donc le papier argenté embossé ici, comme ça, un truc de dingue. On a les motos que j'ai tamponnées donc sur du doux suède. Oui, Thérèse, elles sont incroyables. Ici, la petite bande, vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec la découpe sur le papier design directement, toc toc. Voilà, ça fait une déco, tout simplement. On est donc sur une carte à 3 étages, ok. Et puis, bah, je me suis dit, il faut quand même une déco à l'intérieur. Et du coup, voilà, on a les 7 de tampons avec les clés, là. Voilà, j'ai fait un contour, tout simplement. C'est tout bête, mais c'est super sympa. Voilà. Et du coup, ça brille un max. C'est trop cool. Voilà pour cette petite création. Et la deuxième, pareil, j'ai fait quelque chose en 3D aussi. Ça, c'est un style de carte que vous connaissez déjà. Mais du coup, j'ai voulu l'adapter avec... Merci, Odile. Voilà, hein, ce genre de création, vous les connaissez déjà. Mais je voulais vous montrer ce que ça pouvait donner avec une collection un petit peu plus masculine. Voilà, on a la moto tamponnée en tarte au potiron sur du trait vanille. Ici, en... je sais plus en quoi, en gris souris. Pareil sur le trait vanille. Et puis les différents papiers design utilisés. Et là donc, mes parties de cartes sont retenues par les fameux gemmes rectangulaires ici. Voilà, les trois, vous les retrouvez. Voilà. Et ici, j'ai embossé le sentiment à chaud avec de la poudre argentée directement sur le tarte au potiron. Tout simplement. Du coup, ça donne une touche de couleur, une touche de brillant. C'est nickel. Tu découvres le classeur d'embossage? Eh ben super, il est vraiment très sympa. Il s'appelle plioir à gaufrage 3D, plaque en métal. Et du coup... Oui, 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 c'est les deux cartes seront faites en live très prochainement aussi. Ne vous inquiétez pas. Oui, oui, en live. Hop, et à l'arrière, tout simplement, du trait vanille et la petite moto ici, tout bêtement. Voilà, il suffit de vraiment très peu de choses. Mais c'est une collection vraiment très complète. Et vous pouvez aussi parfaitement envisager de donner une touche beaucoup plus féminine. Hein, parce qu'on est bien d'accord qu'il n'y a pas les hommes qui font de la moto. Ok, donc vous pouvez vraiment vous éclater à féminiser tout ça. Et ça peut être absolument incroyable. Vraiment, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Éclatez-vous. Elle est sympa, hein? Ouais, franchement, elle est vraiment très, très originale. Et ce plioir de gaufrage, il est incroyable. Il est vraiment trop beau. Voilà, j'espère que ces créations vous auront plu. On va quand même ne pas se quitter comme ça. Alors non, je n'ai pas terminé de vous montrer tous ces incroyables projets que j'ai pris plaisir. Incroyables projets. Non, c'est super prétentieux. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Et ça me ressemble pas du tout. J'ai honte. Mais en fait, c'est des incroyables collections que je voulais dire. Et pas projets. Du tout. J'avais encore plein de projets à vous montrer, mais là vraiment, on va pas avoir le temps. Je vais quand même juste vous montrer un projet avec lequel je me suis éclatée. Vous verrez, c'est la collection dite de Saint-Valentin. Faut juste que j'attrape le bazar, hein, faut pas m'en vouloir. Alors vous irez donc à la page 8 du mini catalogue. Et du coup, avec cette collection, eh bien voilà ce que j'avais envie aussi de vous présenter. Un petit panier. Alors vous voyez, on n'a pas hein, la perfo.
mais au ciseau, ça va sans problème. Même pour la petite carotte et les œufs, tout ça c'est fait au ciseau, c'est hyper simple. Un grand panier pour Pâques. Voilà, mais ça peut aussi être un centre de table. Avec voilà, ces fleurs aussi, dont je suis totalement fan. Mais c'est pareil, vous verrez ça sur les réseaux, les futures créations, vous verrez. Hop, et ici, du coup, la anse se bouge. Voilà, un gros panier. Voilà, mais j'ai d'autres projets comme ça à vous montrer, mais voilà, il faut savoir être raisonnable, n'est-ce pas? Le but était de vous montrer, voilà, mes petits coups de cœur, même si je vous les ai pas tous montrés, mais il y a plein de petites choses vraiment feuilletées avec grand plaisir. Mais attention, ne partez pas, il vous reste quand même deux questions pour la chasse au trésor. Alors, avant de se quitter, je vous les donne tout de suite. Merci Cécilia. Je vous donne les deux dernières questions de notre chasse au trésor. N'hésitez pas à prendre le replay si il vous manque des questions, pas de souci. Merci Martine. Les deux dernières questions de cette fameuse chasse au trésor. La question numéro 9. Oui, Pâques va vite arriver, ça c'est certain. Quels sont les avantages à être l'hôtesse d'un atelier? Quels sont les avantages à être l'hôtesse d'un atelier? Je reviens là. Ça c'est la neuvième question. Et la dixième et dernière question. De nouvelles breloques font leur apparition. Elles mesurent 1,6 cm. Comment s'appellent-elles? Et à quelle page sont-elles? Juste une petite chose parce que je me vois à l'écran et ça me rend dingue. Non, mon rouge à lèvres n'a pas coulé. J'ai une petite infection et du coup on dirait Joker. C'est horrible. Non, je n'ai pas bavé, rassurez-vous. Donc, la dixième question, de nouvelles breloques font leur apparition. Elles mesurent 1,6 cm. Comment s'appellent-elles et à quelle page sont-elles? Voilà, vous avez maintenant les 10 questions de la chasse au trésor. J'espère que vous avez bien tout pris en note, mais ne vous inquiétez pas, comme je vous le disais, vous avez accès au replay sans aucun souci. Et je vous rappelle aussi que les inscriptions pour les échantillons de papier que je vous propose, et également les rubans et les ornements que le petit atelier de Mumu vous propose, les inscriptions sont toujours ouvertes. On arrive bientôt à la clôture, mais vous pouvez toujours vous y inscrire. Vous avez le lien en haut de la vidéo sur Facebook et en bas dans la barre d'infos. Odile, non, il faut absolument m'envoyer les réponses par mail, s'il te plaît, s'il vous plaît. Les réponses de la chasse au trésor doivent m'être envoyées par mail à harmoniescrap@harmoniescrap.fr. S'il vous plaît, ne répondez pas dans les commentaires sous le live, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Christelle, les catalogues pourront être téléchargés sur mon blog dès jeudi, mais je peux aussi vous envoyer un format papier. Il n'y a aucun souci, vous pouvez sans problème soit m'envoyer un petit message privé, soit regarder dans le lien sous la vidéo YouTube. Il y a un lien où il est écrit demande de catalogue. Donc il suffit de le compléter, comme ça j'aurai votre adresse et je pourrai vous l'envoyer. Sinon, vous m'envoyez un petit message privé, il n'y a pas de souci. Cécilia, inscription faite pour les échantillons auprès de moi et auprès du petit atelier. Super, génial. Merci beaucoup à toi. Merci ma petite Steph, t'es restée là tout le temps. T'es trop mimi. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment ce soir en ma compagnie. Moi, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été présente et présent, parce qu'il y avait des messieurs aussi, je crois. J'espère que voilà, que ces portes ouvertes vous auront été agréables. N'oubliez pas les différentes options qui vous sont possibles pendant la Celebration. Profitez de cette promo pour rejoindre la famille Stampin' Up et pourquoi pas l'équipe des Stamp Lovers. Je serais ravie de vous accueillir. Coucou ma petite Marie, je t'avais pas vue. Voilà, Marie, une de mes filleules notamment. voilà, vraiment, l'option 3 par exemple, vous choisissez 260 € de produit et vous n'en payez que
non, 230 et vous n'en payez que 129. C'est un truc de fou. Donc profitez, 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 faites-vous plaisir. Et puis bah, passez-moi un petit coup de fil ou envoyez-moi un petit message si vous avez des questions supplémentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous souhaite à nouveau une excellente année 2023. Prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Et on se donne rendez-vous très très vite pour des prochains rendez-vous créatifs au travers de live ou de reels sur Instagram par exemple, sur Facebook, sur TikTok, bref, plein plein de créations à venir pour, je l'espère, vous inspirer au mieux. Je vous suis très reconnaissante, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao !